bon ça, bonjour les petits mains, aujourd'hui nous allons donner un œuf. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Merci ça. Moi aussi j'ai trouvé quelque chose. Une potion, mais purée, mais elle ne donne que des potions. Ouais, rentrons. Ok, demain c'est le grand jour, allons nous reposer. Et je vous laisse avec les nombreuses cinématiques qu'il y a. Voilà. Tu sais, Riku a changé. Comment ça? Eh bien... Ça va? Sora, prenons le radeau et partons. Rien que tous les deux. Hein? Je plaisante. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui as changé, Kairi. Peut-être. Tu sais... J'avais un peu peur au début, mais là, je suis prête. Peu importe où j'irai, et ce que je verrai, je pourrai toujours revenir ici. Pas vrai? Oui, évidemment. Génial. Sora, reste comme tu es. Hein? J'ai vraiment hâte que l'on parte naviguer. Ce sera génial. Donald. Je suis navré de partir sans dire au revoir, mais un grand danger nous menace. J'ignore pourquoi, mais les étoiles s'éteignent les unes après les autres. Cela signifie qu'un désastre se prépare. Désolé de vous abandonner, mais je souhaiterais comprendre ce mystère. Un garçon possède une clé, la clé de notre survie. Toi et Dingo devez le trouver et rester avec lui. Il nous faut cette clé, ou nous sommes perdus. Rejoignez la ville de Traverse et trouvez Léon. Il vous dira quoi faire. PS, peux-tu transmettre mes excuses à Mini? Merci, mon ami. Oh là là! Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que nous devons faire confiance au roi. Bon sang, j'espère qu'il va bien. Va-toi, classe! Ne vous en faites pas, nous allons retrouver le roi ainsi que cette clé. Merci. À vous deux. Vas-y, je compte sur toi pour... Bien sûr. Et soyez prudents, tous les deux. Oh, et pour relater vos aventures, il vous accompagnera. Je suis là! Je m'appelle Cricket. Jiminy Cricket, à votre service. Nous espérons vous revoir bientôt. S'il vous plaît, aidez le roi. Reviens aussi, toi! Ça alors, Jiminy? Ton monde aussi a disparu? C'était terrible. Nous avons été dispersés. Et autant que je sache, je suis le seul à avoir réussi à atteindre ce château. Dingo! Oh, d'accord. J'ai compris. Lorsqu'on sera dans un autre monde, faudra surtout pas dire d'où on vient, c'est ça? Nous devons protéger le désordre des mondes. Dingo! Ah oui, l'ordre des mondes. Oh, on va peut-être se faire remarquer avec notre tenue, non? Vous voyez.
vraiment hâte que l'on parte naviguer. Ce sera génial. Une tempête ? Oh non ! Le radeau ! Sora ! Le dîner est prêt, tu peux descendre. Sora ? Il a pas mal de harpons dans sa chambre, je trouve, Sora. Si vous avez bien regardé, mais voyons voir ce que... Est-ce que le radeau a survécu? Par contre, j'avais l'impression que... Oh! Oh! C'est l'explosion de Super Smash Bros. Et celui de Kairi? Oh! Les petites boboles du tutoriel! Qu'on ne peut décidément pas frapper du tout, donc autant fuir. On a un bouton attaquer, mais il est inutile. Je suppose. Ok, la caméra ne m'a pas suivi. Où est Kairi? Je croyais qu'elle était avec toi. La porte, elle s'est ouverte. Non, quoi? Elle est fermée. La porte s'est ouverte, Sora. On peut aller dans le monde extérieur. Qu'est-ce que tu racontes? On doit retrouver Kairi. Kairi, viens avec nous. Quand on l'aura franchi, on ne pourra peut-être plus revenir. On ne reverra peut-être plus nos parents. On ne pourra pas faire demi-tour. Mais c'est une occasion unique. La peur ne doit pas nous freiner. Je n'ai pas peur des ténèbres. Riku. Keyblade. La Keyblade. Est-ce que vous allez me le mettre une troisième fois? Oh, je m'attendais. Oh! Ça fait de l'expérience. Je sais pas s'ils viennent à l'infini. Alors, s'ils viennent à l'infini, ça m'intéresserait, je suppose. Bon, on va peut-être continuer l'histoire. Peut-être non, à moins qu'ils apparaissent, s'ils apparaissent autour de moi. Bon, je pense que je vais faire une petite ellipse. Bon, on va pouvoir enfin aller vers cette porte. Non, parce que en fait, je suis allé dans toute la zone et je suis allé partout pour essayer d'éliminer chaque ennemi qu'il y avait. Hein. Ah oui, parce que en fait, j'utilise vraiment la carte de la prudence sur le moment avec tout ce qui est farm, je suppose. Kairi. Sora. Oh!
Ok, bon. Alors du coup, par contre, petit problème du coup pour ma part, je ne sais pas quand se terminera la vidéo du coup, parce que petit problème, j'ai comme qui dirait appuyé sur le bouton du chargement et j'ai oublié de le désactiver. Parce que j'étais en train de dire un truc et en fait je l'ai relancé comme un idiot. Du coup, ben je ne sais pas quand c'est. Ça va être un épisode un petit peu plus long, je suppose. Et ouais, je viens de me rendre compte qu'en fait, lui, il était dans le rêve, mais là, il est là, je suppose. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Vous voyez, quand je vous disais que... voilà, je l'ai battu facilement. Parce que je crois que j'ai déjà assez augmenté en niveau, je suppose. On est déjà niveau 8, 9, je crois. Faut jamais lâcher le petit doigt parce que c'est le doigt le plus puissant d'Amin. Hey, dis donc, peut-être qu'on devrait aller trouver Léon. Donald, là-bas, on dirait qu'il y a... Qu'est-ce que tu en fais? Ce que j'en sais? Allez, viens, Pluto! Quel drôle de rêve. Ah ! C'est pas un rêve ? Mais où suis-je ? Oh mince. Et toi, tu sais où on est ? Hey ! On dirait mon chien quand elle s'enfuit. Bon, rien ici, rien non plus. Ah purée, non mais ce réflexe. Ok, alors on arrive dans un endroit, on frappe dans tout ce qui bouge, déjà ça commence très bien. C'est vraiment étrange. Je suis dans un autre monde. Wow, that reaction. On va rentrer là-dedans, je suppose. Bonjour, je peux vous... Oh, c'est qu'un gamin. Eh, je suis pas un gamin, je m'appelle Sora. D'accord, calme-toi, gamin. techniquement, si, c'est un gamin, il a 14 ans. Alors, écoutez, la ville de Traverse. Dis le vieux, je suis vraiment dans un autre monde. Je m'appelle pas le vieux, je m'appelle Sid. Genre, comme les paresseux dans l'âge de glace. Mais bon, je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que... Voilà. J'ai pas compris ce que tu cherches, mais bonne chance quand même. Si jamais t'as un souci, viens me voir. Je veillerai sur toi. On va voir. Est-ce que... Oh, il y a un coffre là-haut. J'ai envie de le prendre. Est-ce que... Oh, on peut l'ouvrir. Ça vole des affaires dès le début du jeu, hein, directement. Voyons voir. Du coup, on a... Oula, 1h38. Ah ouais, les tournages sont longs, en fait. Ah oui, pour un truc, pour trois vidéos de 15 minutes, je fais le double. Bon, je pense que... Alors, je sais pas trop si je peux continuer, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a eu énormément de cinématiques dans cette vidéo. Alors, du coup, je pense qu'on peut un peu continuer, je suppose. Je pense que je vais mettre... Oh, mais il ne laisse même pas passer, hein. Non, tu passeras pas, t'as pas le droit de prendre de raccourci, tu fais le tour. Hein. Et donc je pense qu'on peut un petit peu continuer, hein, je suppose.
en frappant directement tout ce qui bouge. Je pense qu'on va juste s'occuper de cette salle du coup, enfin de cette zone, et après on va s'arrêter. Je suis vraiment désolé sur le coup, mais je sais pas du tout. On verra bien ce que ça donne. Oh! Ok. Oh! Le texte était tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de lire, je suppose. Autant il y a certains textes qui sont synchro, mais là, c'était beaucoup trop rapide. J'ai pas eu le temps de mais arrêtez d'esquiver, s'il vous plaît. Peut-être prendre des munis quand même, parce que c'est un petit peu la monnaie du jeu, alors du coup, si on veut s'acheter des choses... Oui, c'est les petites bouboules qui sont brillantes, là. Enfin, qui ont deux couleurs. Ça doit pas être simple pour les daltoniens, je suppose. Enfin, si, il y a du jaune, donc ça devrait... De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont mis deux couleurs, en fait. Ou soit, c'est parce que c'est peut-être facilement différenciable, je suppose. Ouais, on va essayer de... Oh! Oh, oula, oula. Calme. Voilà. Ce chapardeur dès le début. Une carte postale. Oh! Je pense qu'on peut directement s'occuper des cartes postales. Parce que les cartes postales, c'est... Oula, alors s'ils sont aussi ici, là ça va pas le faire. Laissez-moi. En paix, je veux juste poster une carte postale. Je ne sais pas encore à qui, mais elle va être postée, je suppose. Par contre, est-ce qu'ils sont partout? Je veux dire, normalement, ils sont pas dans cette zone. Enfin, je crois. Il y a quelque chose là? D'accord, il y a rien. C'est bizarre. Il y a une boîte aux lettres. Si tu me donnes des cartes postales, je te donnerai des cadeaux. Il y en a 10 en tout. Carte postale 1, un pavillon. Ça sert à absolument à rien pour le moment, mais... Ça existe, je suppose. Mais laissez-moi tranquille, mais purée. Je savais pas du tout si... qu'ils apparaissaient ici. Je m'y attendais pas, en fait. Est-ce qu'il y en a d'autres planqués ici? Bah forcément, dans un coin de rue, il y a forcément... Il y a forcément trois racailles en arrière-plan qui sont venus pour faire... Pour vous voler vos... trucs, je suppose. Voilà. Bon, je pense qu'on peut retourner directement dans la zone. À moins qu'il y en a d'autres dans le petit coin de rue où on était au début. Oula, mais en fait, il y a toute une bande là, ici. Là, c'est la mafia. Ils étaient en train de faire un deal ou un truc du genre. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, c'était... J'étais pas au courant qu'il y en avait ici. Ça se trouve, en fait, je pêche au hasard, mais ça se trouve, il y en a là-dedans. Ok, alors en fait, je m'attendais vraiment à quelque chose, mais au final, non. Non, je n'ai rien eu le droit. Bon, je suppose qu'on va juste s'occuper de voir ce qu'il y a par ici, et après, on va sauvegarder, en fait, directement. Après, on s'attaquera directement un petit peu plus au... à la zone en elle-même, et pour ma part je vais arrêter, alors du coup s'occuper d'une petite pause, parce que après en même temps deux heures de vidéo d'affilée, c'est un peu long je dirais, mais bon. Où est-ce que t'es? Mais alors là je vois un coffre, mais je sais pas si on pourra l'attraper maintenant ou si c'est plus tard dans le jeu, peut-être avec un peu de skill. Non. Faut pas trop en demander non plus, hein. On a déjà réussi à avoir une carte postale avec un pavillon qui ne sert à rien pour le moment, je suppose. D'ailleurs, ben c'est vrai, je peux pas aller encore voir le menu
les menus parce que bah, on est en combat hein, forcément qui regarde les menus le menu en combat ce serait un petit peu la triche de pouvoir regarder les stats. J'ai envie de voir les PC. Purée, le PC malgré qu'on soit niveau 8 on a augmenté que d'un. Enfin on n'a pas du tout augmenté en fait. Mais en même temps les points de compétence sont même pas encore ouverts, ça sert à rien d'en avoir qu'une seule. Remarque. Ça serait complètement débile sur le moment je pense. Par contre j'espère que qu'il n'y aura pas de problème avec le son. Bon de toute façon si cette vidéo sort ça veut dire qu'elle est sortie hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème entre guillemets. Juste quand je veux faire pause il y a des ennemis. Du coup j'ai bugué, j'ai fait pourquoi le menu pause il s'active pas, je ne sais pas. Voyons voir, état 58, d'accord. Bon, bah, je pense qu'on a assez tapé de gens, je suppose, pour cette vidéo. Alors je propose qu'on aille sauvegarder directement pour se laisser sur ce premier tournage directement. Alors je sais que je ne sais plus trop si en fait les tout ce qui est vidéo... Ok, d'accord, je suppose... Je ne sais pas ce que je suis en train de faire ici. Est-ce que je peux aller là? Non, d'accord. Je suis sûr il y a des glitches avec ça, mais bon. Oui, donc je ne sais pas. Je crois que j'avais abandonné le système de tournage, tout ça. Mais je pense que pour Kingdom Hearts, étant donné qu'il y a pas mal de trucs, je sais pas encore, je vais vraiment y réfléchir, mais bon. Bon, ben, c'est sur ce qu'on va se laisser sur cette vidéo. Alors sur ce, moi je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien, YouTube. Et désolé si cette vidéo est plus courte ou plus longue, j'en sais rien. Thank you.